Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes dans Luc chapitre 12 et une déclaration de foi que nous devons tous euh, faire, que je fais depuis euh, de nombreuses années, Dieu ne me dira pas insensé. Bon matin tout le monde, bienvenue à votre café matinal, Luc chapitre 12 une résolution de cœur moi j'ai beaucoup de choses que j'ai prié que j'ai prie devant Dieu sur une base régulière que je, qui sont devenues des prières de vie puis une de, des motivations les plus profondes de ma vie c'est est trouvé dans un dans un moment très 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 puissant dans Luc le douzième chapitre euh, où euh, nous lisons que euh, un homme s'est retrouvé face à face avec Dieu. Comme chacun d'entre nous, il est appointé à chaque homme de mourir, chaque femme, et de se présenter devant Dieu. Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit-même, ton âme t'est redemandée. Alors moi, je vis à chaque année de ma vie avec cette résolution dans mon cœur. Dieu ne me dira pas insensé. » Et A. W. Tozer a écrit, l'auteur chrétien, A. W. Tozer a écrit qu'il y a sept façons... De vraiment nous connaître, de nous connaître réellement, d'évaluer, de mesurer l'état de notre âme, de notre réelle marche euh, spirituelle avec Dieu. Euh, quel est l'état réel de ma foi? Sonde-moi au oh Dieu. Une introspection honnête. C'est un peu comme monter sur le, euh, le pèse personne sur la balance euh, au début de janvier après tous les excès des fêtes on fait un ouf et là on doit rétablir certaines priorités euh, alors il y a sept principes pour la découverte du soi taurea a dit si tu veux savoir vraiment qui tu es spirituellement euh, pose-toi la question euh, ce que euh, je je désire le plus ce qui nous définit ce que je désire le plus ce à quoi je pense le plus ce qui me fait rire ce qui me fait pleurer il dit beaucoup sur nous ce que je fais avec mes temps libres détermine euh, vraiment quoi, qu ce qu'il y a vraiment dans mon âme, qui je suis, ce, qui, euh, ce que je, je, je communique, ce que je choisis comme entourage. Les personnes, ma mère me disait quand j'étais jeune, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Les proverbes enseignent euh, sur euh, l'entourage. Alors, Toshe dit, ce qui, ce que je choisis comme mon entourage, avec qui je choisis d'échanger, avec qui je suis en ligne, avec, sur quel chat, avec qui je suis sur Facebook et avec qui je, je m'entoure, dit beaucoup sur moi. Ce que j'admire, ce à quoi j'aspire, dit beaucoup sur moi. Et le septième, Toshe dit, ce que je fais avec mon argent. Avec le fruit du travail de mes mains, avec mes ressources matérielles, mon trésor, dit beaucoup sur qui je suis. Et, et, et en plein cœur de Luc chapitre 12, il y a Jésus qui le dit de la manière la plus puissante, limpide et sans équivoque. Au verset 34 de Luc 12, car là où est votre trésor, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Que ce à quoi tu donnes de tes finances, de ton, de tes ressources. Te rapproche, rapproche ton cœur de ce à quoi tu donnes, mais aussi révèle, révèle ton cœur. Alors, et, et dans ce, ce, ce chapitre, il y a une parabole que je vous lis dans un instant où il y a un homme à qui Jésus, Dieu a dit c'est effroyable la pensée que tu te présentes devant Dieu et que l'homme te dit insensé. Dieu ne me dira pas insensé. C'est une, une de mes résolutions 2022. Euh, et vous, et cette parabole de Jésus nous révèle les quatre erreurs de l'homme insensé. Pourquoi a-t-il reçu une telle condamnation de la part de Dieu? On regarde ensemble à Luc chapitre 12 et au verset 13, quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Jésus lui répondit, Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge? Ou euh, d'être juge de vos. Euh, de faire vos partages, des choses terrestres. Puis il leur dit gardez-vous avec soin, soyez alerte, soyez en garde, avec, pré avec précaution, avec soin, à, à, avec un haut niveau d'alerte de toute forme d'avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens futiles dans l'abondance. Il y a quatre erreurs de l'homme insensé. La première erreur de l'homme insensé est, est une erreur de, de priorité dans sa poursuite de Dieu. Il y a une erreur profonde. De, du derrière de la foule, il a Jésus devant lui, il a le Fils de Dieu devant lui qui enseigne les paroles de vie et lui crie de derrière la foule Seigneur, viens intervenir parce qu'il y a une chicane entre moi et mon frère pour l'héritage. Donne-moi raison dans l'héritage. C'est un portrait. De, 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 de la priorité même d'une vie spirituelle où la priorité est de presque manipuler Jésus pour qu'il nous donne raison, pour qu'il nous donne ce que nous, on veut sur cette terre. Dans un, un, un conflit pour notre profit, c'est moi qui ai raison. Ce, ce que Dieu peut faire pour m'enrichir, la, la mauvaise priorité. Il y a tout un, un segment d'une de, de, de hérésie doctrinale qui est très, très présente. Vous allez sur les médias sociaux, des millions de personnes sont sous l'évangile de prospérité. On essaie de manipuler Dieu. Le gars, dans notre texte, est derrière la foule écrit :« au Fils de Dieu, « Viens donc me donner raison dans l'héritage. Viens donc me donner raison. Euh, Viens faire en sorte que je sois enrichi sur cette terre. » C'est Sa priorité était de recevoir. Pas, pas le royaume de Dieu, le sien, ses projets, son, son avancement. C'est paradoxal et l'équilibre des Écritures est toujours magnifique parce que Dieu veut nous bénir. Il veut que je sois, que je prospère en 2022 comme prospère l'état de mon âme. Mais la priorité est poursuivre le royaume de Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout le reste va être ajouté par la suite. Le, le Calvin Coolidge était le 30e président américain et il a dit, Personne n'a jamais été honoré pour ce qu'il a reçu. L'honneur est la récompense pour ce qu'il aura donné partager et contribuer à d'autres. Alors la question, cet homme avait la mauvaise priorité dans sa relation avec Jésus. Et la question, c'est et toi et moi? Est-ce que c'est le terrestre seulement ou est-ce qu'il y a le céleste? Est-ce que c'est mon royaume ou le sien? Est-ce que c'est avoir raison ou la réconciliation? Est-ce que c'est mon gain ou sa gloire? Est-ce que c'est l'éphémère tout de suite? Ou est-ce que c'est aussi un regard vers l'Éternel? L'erreur numéro un de l'homme insensé est une erreur de priorité. L'erreur, c'est pourquoi on jeûne et on prie en ce début d'année parce que le jeûne et la prière nous refocalisent, nous refocalisent sur les bonnes priorités. La deuxième erreur de l'homme insensé est l'erreur de penser qu'il était propriétaire qui possédait quoi que ce soit. Lorsqu'on continue euh, à lire au verset 15, Gardez-vous euh, de toute forme d'avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, euh, même s'il est dans l'abondance. Et là, il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait lui-même en disant, Que ferais-je, que je n'ai pas de place pour serrer ma récolte, moi? Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai des plus grands. Et j'amasserai toute ma récolte. Je dirai à mon âme, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, euh, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui le sera-t-il? Il en sera ainsi de celui qui amasse des, euh, des richesses, des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. N'est pas riche pour Dieu. Alors, l'erreur de, de, de l'homme à qui appelé insensé est une erreur de priorité et c'est l'erreur de penser qu'il est propriétaire. Onze fois dans le texte, il va dire moi, ma réussite, mes greniers, mes semences, mon trésor, mon accumulation, ma sécurité, mon avenir, mes années, comme s'il possédait quoi que ce soit. En tant qu'enfant de Dieu, tu, auras, tu vas toujours avoir le choix entre être l'insensé ou réaliser que tu es un intendant. Dans le royaume de Dieu, nous arrivons à cette simple réalisation, à cet appel biblique, que nous ne sommes propriétaires de rien. Tout nous est prêté. Nous sommes des intendants, des gestionnaires. Toute la, toute la notion de la dîme dans l'Ancien Testament, Dieu dit, tout ce que tu as m'appartient. Le 100% de ce que tu as, du fruit du travail de tes mains, de ton intelligence, de tes capacités, de ton souffle, de ta capacité à gagner. Et encore une fois, ce n'est pas vœu de pauvreté. Dieu veut nous prospérer comme prospère l'état de notre âme. Mais avec un sens que le 100% lui appartient. Et, et la notion de dîme, c'est que j'en prenais un sur 10. Je prenais le 10% qui s'appelle les premiers fruits. Je lui, 100% lui appartient et je lui remets de ce qui lui appartient je lui remets les premiers fruits et il me bénit l'erreur du de l'homme insensé c'est qu'il croyait qu'il était propriétaire et nous sommes des intendants nous sommes nos talents nous sont prêtés nos énergies nos expertises ce que nous avons accumulé ce que nous sommes prêts à bâtir notre souffle ne nous appartient même pas il disait à son âme ton âme ne t'appartient même pas ton souffle ne t'appartient même pas mais appartient à dieu alors, c'est la, la deuxième erreur. C'est l'erreur de penser que je suis un propriétaire. Alors, j'aime cette citation. J'aime euh, cette, cette citation d'Antoine euh, de, de, de Saint-Exupéry qui a dit En travaillant euh, pour les seuls biens matériels, nous bâtissons nous-mêmes notre prison. Prétendre satisfaire notre âme par nos possessions, c'est compter que l'on étouffera le feu. Avec de la paille. Tu ne seras jamais satisfait. Il y a, il y a, il y a cette notion. L'erreur numéro un, c'est une erreur de, de, de priorité. La deuxième, c'est l'erreur de penser que tu es propriétaire. Je ne suis pas un propriétaire, je suis un intendant. Je, ce que Dieu m'a donné, je, il me l'offre pour ma bénédiction, mais pour aussi pour bénir d'autres. Et je dois continuellement lui remettre. La troisième erreur de l'homme insensé, c'est l'erreur qui, qui, de, de qui possède qui de la mauvaise poursuite et de la mauvaise préparation. L'argent est un bon serviteur, mais est un terrible maître, un maître qui détruit. Gardez-vous avec soin, dit Jésus, avec attention. Est-ce que tu te gardes avec soin, avec attention, de l'avarice qui est littéralement d'être possédé par. Tu es possédé. Par euh, le, 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 le désir d'avoir. Tu es motivé, tu es poussé, tu es habité par une poursuite du matériel, des standards extérieurs. Et, et, et Dieu nous ramène à l'essentiel. La valeur d'un homme, la valeur d'une vie, de la tienne, de la mienne, d'un homme, d'une femme, ne se mesure pas à sa possession de biens. Tout ça va, va passer, mais, mais, mais à ta relation avec Dieu. Aujourd'hui, ce soir, et c'est la, la chose que tu ne peux savoir quand, je ne sais pas si je vais être là à la fin de l'année 2022. Je ne sais pas si je vais être là à la fin euh, de cette année, à la fin de ce mois, à la fin de cette journée. Mon souffle ne m'appartient pas. La folie de cet homme a été de dire à son âme, c'est moi qui possède mes années, pour plusieurs années encore, j'ai plein de choses en réserve. Je me suis préparé pour plein de choses en réserve. Et Dieu dit, est-ce que tu as préparé ton éternité? Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé... Pour qui sera-t-il? À qui, qui va-t-il servir maintenant? Tout ça, la, 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 la teigne et la roue, vont le dévorer, mais maintenant, tu es face à face avec Dieu. Oswald Sanders a dit la question fondamentale n'est pas combien de notre argent devrions-nous donner au royaume de Dieu, mais combien de l'argent de Dieu devrions-nous garder pour nous-mêmes? Parce que tout lui appartient. Tout lui appartient. Je, je refocalise ma vie. Est-ce que je me suis laissé posséder? par la mauvaise poursuite, la mauvaise préparation. Préparer, préparer, préparer pour l'avenir, pour, pour les vacances, pour la prochaine étape, pour la prochaine achat, pour la prochaine pierre. Encore une fois, aucun mal à avoir un réar, fond de pension et tout bien préparer les choses, un fonds d'études pour mes enfants. Mais est-ce que ma poursuite ultime est une poursuite du royaume de Dieu? Est-ce que je suis un intendant ou un insensé? Einstein a dit... Un système de valeurs morales construit sur la base du confort individuel est tout juste suffisant pour un troupeau de bétail. Waouh, wow. la, 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 la différence entre l'être humain et tout le reste du royaume, euh, de, de tout, les, tout le reste de la planète, et aussi, je dirais, entre un croyant et un non-croyant, c'est que ma priorité est différente, ma poursuite est différente. Je ne suis pas un, je ne suis pas un je suis un intendant. La troisième erreur, c'est l'erreur de, euh, de qui possède qui. est La dernière erreur de celui qui s'est fait appeler insensé, c'est l'erreur de la perte de passion qui est conduite à la pauvreté avec Dieu. Cet homme en chemin a perdu sa passion. Sa passion est en verset 19 plus de greniers, plus d'accumulation, plus de, plus de biens pour plusieurs années. Et repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. Je m'adresse à tous. Je m'adresse à des jeunes, des jeunes familles qui, qui peuvent à, à, déjà être à un endroit où la, seule, la, la passion est devenue la, la, la prochaine étape dans l'échelle d'accumulation de biens matériels. Je m'adresse à des chrétiens de longue date qui ont déjà été animés d'une passion pour Dieu et maintenant tu es en pré-retraite ou en retraite au niveau du travail, mais il n'y a pas de retraite avec Dieu. Qu'est-ce que tu prépares Qu -ce que, De quoi es-tu animé Vas-tu être riche pour, pour Dieu Réjouis-toi, mange, bois, réjouis-toi. Cet homme est devenu pauvre pour Dieu. Euh, je, la richesse pour Dieu en cette fin d'année commence avec un cœur qui dit, je ne serai pas appelé insensé. Cette année, et à chaque jour de ma vie, je vais t'animer de cette passion, de ce désir. Je ne serai pas, je n'entendrai pas la voix de Dieu me dire, insensé. Que le Seigneur vous bénisse. Marchez avec une passion pour lui.